vais te poser une question, tu vas me dire si c'est vrai, et j'aimerais bien savoir ce que vous allez dire à ça. Donc tu étais en couple avec Madison. Tu as dit que, si je dis pas de conneries. Ne tutoyez pas mon client. Ferme ta gueule. Là tu me coupes. Au bout d'un moment, je suis là pour juger. Lui, et lui qui me manque de respect, ça commence à laisse-moi terminer. Ça commence à devenir insupportable. Tenez-le, laissez-moi terminer. Donc, il y a eu une phrase. Il y a eu une phrase qui a été dite. Et moi, j'aimerais qu'on mette la lumière sur cette phrase. Oh! Écoutez-moi. Cette phrase, elle est simple. Oh! Attendez, tout le monde me fait chier maintenant. Je peux plus lire un manga tranquille, quoi. Cette phrase, elle est simple. J'ai presque fini le chapitre de Doctor. Oui, cette phrase, elle est simple. Ok, elle est simple. Il l'a dit mot pour mot, et je suis témoin, je l'ai entendu de mes oreilles. Il a dit mot pour mot, Madison, je lui ai dit qu'on se met en couple juste pour lui faire plaisir. Vrai ou faux? Il me l'a dit aussi. Est-ce que ça c'est vrai ou faux? Et comment allez-vous défendre ça? Et ce n'est pas tout. Mais je vais intervenir. Intervenez. Mais c'est normal. Comment ça c'est normal? Vous n'avez pas des amis devant lesquels vous n'assumez pas d'être le petit canard avec votre meuf? Vous faites les beaux en disant ouais. Je suis un canard. C'est moi qui contrôle la zone. Quand vous êtes avec vos potes, vous dites oui, non, moi ma meuf, elle fait ci, elle fait. Est-ce que tu parles du coiffeur? Non, c'est pas sérieux. Est-ce que tu parles d'Anis le coiffeur? Anis le coiffeur? Qui soi-disant contrôle la zone. Il peut même plus montrer sa tête en live. Il peut même plus montrer sa tête en live. Alors soi-disant, il fait sa loi dans son couple. C'est bien beau de faire le beau devant ses amis, mais ça ne reflète pas la réalité. Soumise life. C'est parce qu'il a fait un peu le barbeau qu'on lui reproche quand on fait un procès. Non, je suis pas d'accord, monsieur. D'accord. Je m'entends. Faites le taire. Il me fait peur. J'aimerais qu'un policier se mette entre moi et lui. Il m'effraie, je ne peux pas faire mon travail. Je suis tranquille. J'écoute votre casse les couilles. C'est bon. Des Cerflex. Ramenez des Cerflex. La prochaine fois, je veux qu'on ramène une boîte. Il y a une boîte de Cerflex. Il n'y a pas de Cerflex. Devant toi, le réseau, mongol. Putain de stagiaire de merde, voilà pourquoi on n'avance pas. C'est moi le stagiaire, arrête. Ta gueule. Non, c'est bon. Si, mettez-le sur Cerflex. Là, t'as pas le choix. C'est bon, je dis. Ils sont trop petits. Non, t'inquiète pas, qu'il est pas trop petit. Arrête, tu vas me faire mal. Il est pas trop petit. Faites pas, je me casse. C'est bon, tais-toi. Ne me laisse pas maîtriser. Il est là, il en faut deux. Mais en un sur un. Ne l'exige qu'on libère mon client, que ce soit lui qui soit derrière les barreaux, ce n'est pas normal. Non, mais attachez-le parce que moi j'ai peur qu'il se lève. Ah là, je vous inquiétez pas. Le coupable, à tout moment il peut se lever et frapper le coupable. La femme à côté de lui. Oui, qu'il aime de tout son cœur. Ouais, je suis un pervers. Voilà, t'as suffi. Voilà, ferme ta gueule. Il y a des aveux. Hey, tu te calmes. Il y a des aveux. Il a quand même avoué. L'avoué que c'est un pervers, hein. Oui. J'espère que le greffier a tout noté. C'est ta mère, ouais. T'es malade. Attachez-moi ce plus vite. Ouais, ferme ta gueule. Voilà, attachez-le. C'est pas grave. Ça me rappelle des aveux, oui, j'ai ma fille. Ça me rappelle des aveux. Oui. Ça me rappelle des aveux. Un homme de sa famille a dit ça un jour. T'es ta mère, toi. C'est la folie, ta famille. Oh la tienne, c'est pas une folie, t'as la tienne, ta famille. Arrête de parler. Il est incontrôlable. Arrête de parler. Il est incontrôlable. S'il vous plaît, chef de la police. Arrête de sucer. Vénéré. Il est malade. Vous pouvez le virer. Vénéré. Ça sert à rien en plus. C'est un stagiaire. Ah, dis mon beau-père maître. Et je m'en occupe. Non, il sert à rien. Maître beau-père. Qui sert à rien? Monsieur là derrière. Celui-là? Ouais. Dites-moi, appelez-moi maître beau-père et je m'occupe d'eux. Mais regarde, après quand on sort, je te dis. Oui, il vient de me dire dans les oreilles, il faut récupérer mon portable, il y a tous mes secrets. Mais n'importe quoi, vas-y, arrête de raconter de la merde. Oh! Calmez-vous, Stéphane. Il doit être dans la voiture, je pense. On a déjà un fou furieux. Ah, tu sers à que dalle en fait. Bon, silence dans la salle. On reprend. Silence dans la salle, j'ai dit. On reprend. Oh, s'il vous plaît, j'en étais. Non, très bonne défense. Et maintenant, je vais réintervenir parce que j'ai d'autres phrases, j'ai d'autres mots. On ne s'est pas arrêté là sur le couple. Il m'a dit mot pour mot à moi-même dans mes oreilles et j'ai la preuve.
Tout est filmé, ça sera dans le vlog. Il l'a dit. Oui, il l'a dit, mot pour mot. Je vais voir si avec Nina ça se passe bien. Si avec Nina ça se passe bien, au cas où ça se passe mal, je garde Madison sous le coude. Il me l'a dit. Et il ne peut pas dire le contraire. Parce que c'est vrai et il me l'a dit. Comment va-t-il se défendre? Ou comment... Alors, comment allez-vous le défendre? Allez. Déjà. J'aimerais dire avoir l'avis de Monsieur Pormalov. Oui. Sur Nina. Que pensez-vous de Nina, Monsieur Pormalov? Sans être violent, sans être agressif. M'agresser pourquoi? Mais j'ai rien. Non, c'est mon. Qu'avez-vous à reprocher à Nina? Reprocher quoi? L'histoire avec Madjan peut-être. J'allais y venir tout doucement. Venons-en, l'histoire avec Madjan. Tout doucement parce que. Ceinture bleue. C'est bien facile de mettre tout sur le dos de mon client. Oui. Soi-disant, c'est un fou furieux. Il n'y a pas de soi-disant. Quand il baigne. Vous voulez que je vous lise tous les messages? Folie. Il baigne dans un milieu de folie. D'accord. Ça tout va, ça se donne des rendez-vous. D'accord. Ça passe d'une meuf à une autre, ça. Oui. Ça passe d'une meuf à une autre d'un fait. Il est dans le sentiment. Il est dans le sentiment. Il est très difficile de garder. Il est très sentimental. Il a un cœur d'artichaut, je vous rappelle. C'est vrai qu'il a un cœur. Il a un cœur d'artichaut. Dès qu'il a un problème, il appelle qui? Sa mère. Votre ex. Non. Et ça, est-ce que c'est dans votre ex? Mon ex. Mon. Je t'aime encore, Joël. Je t'aime encore, Joël. Bon. Putain. C'est. Il est sentimental, il appelle sa mère, il est très jeune, il est... Écoute ou non peut-être. Non, il est perdu. Non. Il est perdu. C'est un putain de détraqué. Non, pas du tout. C'est un homme qui se cherche sexuellement parlant. Non. Il sort d'une longue année de... Que du... Des petites rencontres, des coups d'un soir. Et là, d'un coup, une relation sérieuse lui tombe dessus. Et attention, quand ça tombe, ça fait des dégâts. Monstrueux, colossal. J'ai en tête l'explosion au Liban il y a quelques années. Le bateau, le navire. Et vous savez ce que ça fait dans la vie d'un homme qui n'a vécu que pour le sexe. D'avoir d'un coup quelque chose de sérieux, il a du mal, il n'a pas de repère, il fait des erreurs. Ce qu'il a fait ce soir, c'est une erreur. Mais je pense qu'on peut lui demander ici, Stéphane, si vous aviez la possibilité... dans votre grosse tête, de remonter le temps. Est-ce que vous referiez le rendez-vous avec Nina ou est-ce que, avec toutes les informations que vous avez actuellement dans votre grosse tête, est-ce que vous resteriez plutôt sérieux avec Madison? Est-ce que j'ai parlé français? Non mais elle est grosse, donc qui dit grosse dit un peu de temps. Un peu de temps, laissez-lui. Ah, si j'aurais remonté le temps, j'aurais pas... T'aurais sauvé ton couple? Eh ben non. Est-ce que tu aurais sauvé ton couple? Eh ben non. Oui, il a dit oui. D'accord, mais Sonia. Non. Non, n'allez pas loin. Je vais poser une question. Je vais te poser une question. Si Nina aurait été sincère dans la démarche et elle n'était pas avec moi, elle t'aurait amené dans ce Airbnb et qu'il y aurait eu relation entre vous et elle t'aurait proposé de se mettre en couple avec toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu te serais mis en couple avec Nina où tu serais resté en couple avec Madison? Et j'apporte carrément une preuve. Moi aussi. Comme quoi il a dit qu'il était amoureux de Nina et j'ai le screen. Et alors il n'a pas le droit d'être amoureux? Oui mais s'il est amoureux, même s'il refait marche arrière, il est toujours amoureux que je sache. Attendez. Faut faire marche arrière jusqu'à la naissance. Pour l'annuler. Bien joué chef. Pour annuler cette naissance. Bien joué, chef. Attendez. Est-ce que j'ai dit quoi? Réfléchis. On aurait tout fait pour que Nicole ne croise pas ce beluga. Il veut parler. J'ai pas dit comme quoi que j'étais amoureux. Est-ce que je peux lire le paragraphe? Laissez-le parler pour la prépare-le. Prépare-le mais laissez-le parler. Fais attention, ne fais pas ça des signes de gang. Tu reconnais de quoi? Avec tes mains. Sors pas le doigt en bois. Vas-y, Kudo. Parle plus fort. T'as pas dit comme quoi t'étais amoureux, tu as dit quoi? Dis-le, Stéphane. Ouais, bref. Non, voilà, ça c'est un homme qui l'a dit. Voilà, tu vois. Il a dit. Il a dit, le message il est là.
Ça fait combien de temps qu'il connaît Rick? En fait, dans le message, il y a... On parle de Madison et... Réveille-toi! Merci de l'avoir réveillé. Ça fait 2 heures que je te demande de récupérer le téléphone. Un regard suffit. Non, j'ai rien dit. J'ai pas parlé. Par contre, Owen... Faites attention, les câbles. Il faut que tu lises du début, sinon ça va... La caméra, Faut que tu lises du début. Voilà, sortez-le. Faut que tu lises du début, sinon ça n'a pas de sens. Ok, bon. Faut refaire toute la brigade, quoi. Alors, donc là, il y a Nina qui envoie un message à Koudou. Ça y est, tu t'es mis en couple avec Madison. Koudou qui répond, non, je ne suis pas en couple avec elle. Je lui ai remonté le moral. Mais le truc, c'est que moi, je me mets pas en couple du jour au lendemain. En plus, même pas vu. Je ne me mets pas en couple du jour au lendemain. Je ne me mets pas en couple du jour au lendemain. C'est tout bien à sûr, fait normal. On te croit. Donc ça, c'était au moment où il était en couple avec Madison. Attends, c'est pas terminé. C'est juste après que donc, vous avez eu l'appel. Nina, elle répond, ah ouais, je vois. Naruto m'a montré les messages qu'elle t'a envoyés. Oui, bah, elle est amoureuse, je crois. Oui, mais c'est chaud, elle ne me connaît pas, elle ne m'a jamais vu et elle est amoureuse. Culotté, venant d'un homme... C'est ce que je vous dis. Culotté, venant d'un homme... Il est un peu perdu, c'est nouveau pour lui. Mais il tombe amoureux de toutes les femmes qu'il a jamais rencontrées. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps qu'il connaît Nina? Depuis combien de temps parlez-vous ensemble? S'il avec le Koudou? Oui. Je sais pas, 3 jours? D'accord. Une semaine? D'accord. Depuis donc la première fois que vous veniez ici. Donc, et toi? Non. Mais on se parlait pas. Écoutez-moi, et toi? Vous saviez qu'il avait un petit pincement pour Nina? Silence! J'avais peur de lui. Et toi? Non. Et il répond, de toi, oui. Donc il est amoureux de Nina. Et c'est nous ça, avons Koudou la preuve. On mettra ses screens dans le canal. Donc, un mot à dire sur ces screens, je te les remets. De toi, oui. Donc, tu as, il y a clairement en face de nous des messages où tu dis clairement que tu es amoureux de Nina. Maintenant, je vais te poser la question, vu qu'elle est en face de toi. Est-ce que tu ressens quelque chose pour Nina, oui ou merde? Merde, non. Voilà. Parce que vu que... Pourquoi au restaurant, vu qu'elle m'a pas sucé au restaurant, bah je suis mais pourquoi au restaurant tu m'as sucé? Laissez-le s'exprimer. Vas-y. Merde. Arrête de péter, gros, c'est trop. Il a des gaz, Vas-y, je vais aux toilettes. Il a envie de chier. Non, vas-y. Il a intolérant au lactose, il a mangé de la burrata. Laissez-le aller aux toilettes. Vas-y, laisse-moi aller aux toilettes. Dis ta dernière phrase. Oh, lui, on laisse parler et faire n'importe quoi, et lui, on laisse pas aller aux toilettes. C'est un début d'évasion. C'est un début d'évasion. Surveillez-le. Attendez. Arrête de parler. Il interrompt le procès encore une Donnez-moi mon marteau. Vous allez vous calmer. Non, vous allez vous calmer. Tu restes ici. Le marteau, s'il vous plaît. Ça, je reconnais une évasion. Vous avez fait sauter ça de l'uniforme de votre... Ça sent l'évasion. Si, si. Le seul truc qui va s'évader, c'est le caca. Donc, que quelqu'un l'accompagne. Oh, l'odeur. Accompagne-le. Allez, casse-toi, va chier. Va chier, grosse merde. Ça pue la merde. Fais attention les câbles. On va préparer une défense avec mon client. Mais et quand on va revenir, d'accord. Retenez-le qu'il ne m'agresse pas lui. J'ai peur de le faire agresser. C'est quoi cet avocat? Levez-vous. Pourquoi il parle italien d'un coup? Levez-vous, on va vous parler. Levez-vous, toi, venez à côté de moi. Venez à côté de moi. Allez, venez. Laissez-moi tranquille. Oh, l'odeur de merde. Ah, vas-y, je vais te là-haut. Le câble, atroce. Ah, ouais. Attends. Non, par contre, les gars, s'abusaient. L'odeur, ça pue, non, ça pue la merde, je crois que c'est chier dessus. Non, non, reviens, je vais avoir besoin de toi, je crois que c'est chier dessus. Mets un peu de déo, fais quelque chose. En place, s'il vous plaît, en place, assis-vous. Assis-toi, Nina, assis-toi, s'il te plaît. Je m'assois, mais je sais que la merde que tu vas me sortir, toi. Non, non, moi ça va. C'est que de la merde ici. Ok. Vas-y. Bon, JP, c'est pas tout beau, tout rose. J'ai pas mal de trucs contre toi. Je sais que tu fais des erreurs dans la vie. Non. Ah, contre lui? Oui, contre lui. Ah, oui, parce que je lui réserve une question et je vais pas dire parce qu'il faut que j'attende l'avocat, etc. Mais je vais commencer par est-ce que êtes-vous toujours amoureux de Nina? Bien sûr. D'accord. Tu crois que l'amour, ça va par là? Ouais. Comme ça? D'accord. Donc, quand t'es amoureux d'une personne et que tu vois qu'il y a ton collègue, donc ton collègue de travail, il se passe tout ça là. Qu'est-ce que tu ressens? C'est quoi le ressenti? Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de là? Tu vois là, à l'intérieur de toi là. Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? De ton petit cœur. Ouais, oui. Beaucoup de choses. Bon, parlez, il faut parler. J'ai de la haine. De la haine, parlez plus fort s'il vous plaît. J'ai de la haine, des... je sais pas. Je peux pas décrire ce que tu ressens. Et... Madjan, ouais. J'aimerais que tu t'assoies en face. Ouais, encore. Salut JP.
comment tu vas? Vania, ça va mieux depuis la dernière fois? Ouais. Okay. Ne touchez plus, par contre, plus jamais comme ça. Bah, il est amoureux, il a un cœur d'artichaut, plus jamais. Tu m'as envoyé chercher à voir. Et qui t'a autorisé à rentrer ici? Les gars, plus vite, s'il vous plaît, j'ai que ça à foutre, moi. Ce fils, il est coupable. Oui, rien que sa tête tout, de criminel là, mère, criminel de père en fils. Moi je mange pas du temps, ça tombe bien. Tu dirais à ta mère que je l'aime beaucoup, mais je mange pas le temps, tu sais très bien. Après. Koudou mange du temps apparemment. S'il vous plaît, on demande rien là, on est en plein procès, s'il vous plaît, on est en plein procès. Par ce maître là, l'autre maître, le fils de pute. On s'en fout. Chef, s'il te plaît, règle. Est-ce qu'il paye en nature? Ouais. Quoi? Est-ce qu'il paye en nature? Il prend ma carte. Hey. C'est mieux ça. Ok, non, ça va, je suis calme. Donc. Écoutez-moi. Ah oui, je vais me le faire. Je peux vous oui, dire écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Donc là, déjà, il a avoué qu'il était toujours amoureux de Nina. Je lui ai demandé de dire ce qu'il ressentait. Il a dit beaucoup de colère, beaucoup de haine, c'est ça, beaucoup de haine. T'en par veux de moi, par moi. Non, pas toi. T'en veux à qui? Comme pourquoi tu suces? Où je suce? Pourquoi tu suces? T'as oublié ce qu'elle a essayé de te faire avec Madjan? On va en parler. Parce que attends, écoute, moi, tu faisais le beau dans la voiture. Tu veux que je répète ce que tu disais par rapport à Nina dans la voiture? Que c'était une pute ce qu'elle a été te faire, c'était une grosse pute. Ne fais pas l'amnésique. Alors, si je peux me permettre, ne fais pas l'amnésique. Maître, si je peux me permettre, oui. Il y a une tension sexuelle par entre les deux, oui, elle est palpable. Elle est palpable. Maintenant, retenez-les. Oui, je sais, je dois pas toucher. Là, ça a deux doigts de baiser. Donc maintenant, je me retourne vers toi et je veux dire, est-ce que tu assumes avoir insulté Nina dans la voiture quand tu as appris qu'elle a voulu prendre un appartement, ton appartement avec Madiane? On ne dit pas pourquoi pour l'instant, je veux juste qu'on en parle. Est-ce que tu assumes l'avoir insulté de pute? Bien sûr. Bah quoi, j'assume parce que j'étais énervé. Il t'a insulté. Tu vas pas prendre un appartement d'une personne pour je sais pas quoi faire. Ok, donc tu l'as insulté de pute. En français, s'il vous plaît. Ok, maintenant. On parle pas allemand ici, monsieur. Maintenant, je vais poser quelques questions. Nous avons gagné la guerre, je tiens à le rappeler. Nous sommes en France. Nous sommes en. Pardon. Donc. Ça a changé. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne. C'est qui? Ok. J'aimerais qu'on revienne sur un sujet. J'aimerais te poser une petite question. Madjan. Oui, Madjan. Est-ce que pendant qu'on était en Turquie, tu as demandé les clés au propriétaire de l'appartement de JP, qui est mon oncle Olivier, pour pouvoir aller dans l'appartement avec Nina, oui ou non? Je ne veux pas d'explication, je ne veux un oui ou un non. Oui. Oui. Bah voyons. Ouais, c'est bon. JP, qu'est-ce que tu en penses? Ça se fait pas. Ils apprennent normalement. D'accord. Manque de respect. Pourquoi tu viendrais dans mon appartement? Pourquoi faire? Pour baiser. Il est con ou quoi? Bah, on sait pas là pour l'instant. Pourquoi faire? Alors que je suis amoureux de toi. On sait pas. Tu croyais quoi? Qu'ils allaient faire une belote? Ouais. Dis-lui que alors que je suis amoureux de toi. Tu savais. Alors, moi, Madjan, j'ai une question à te poser. Dites-moi. Tu savais que JP était amoureux de Nina? Certes, oui. D'accord. Pourquoi tu passes toutes tes soirées sur Discord avec Nina? Il y a des espions. Ouais, sur un serveur où on n'a pas accès. Répondez à ma question. Répondez à mon travail. Pas de touche, s'il vous plaît. Répondez. Ouais, vous vous touchez pas. Pas de préliminaire ici. Non, bah, des preuves. Des preuves. Mais j'en ai plein, des preuves. Non, mais donne-moi une preuve. J'ai que j'étais plusieurs nuits avec Madjan sur Discord. Parce qu'on s'appelle sur Snap. Vous vous appelez sur Snap. Oh, pas de touche. Je sais pas quoi faire. Je mets une vitre, je fais quoi? Alors laissez-les baiser, ça va. C'est de... Faut qu'ils se défoulent. Ah non, mais il y a des enfants. Hein. Waouh, je suis choqué de la complicité. Non, on s'appelle sous Snap et ça s'est tapé de l'épaule et ça s'est regardé. Ça s'est. Ouais, il essaie. Oh, pourquoi tu veux casser la. Calmez-le. Calmez-le. Non, calmez-le. Attends, s'il te plaît, mon frère. Ouais. Toi, des fois tu sais, et toi, vous faites chier. Oui, des fois j'ai parlé sur vous. Vas-y, parle. C'est quoi ça? C'est quoi le manque de respect que vous avez? Moi, là, je suis plus ancien ici. Je suis putain de plus ancien. Oh, tu parles de aucun respect. Remettez-lui les menottes. Il a raison sur ce coup-là. Remettez-lui les menottes. Passe-moi deux serflex là. Ils sont là par terre. Ramène-moi deux serflex. T'as raison. Non, non, parce que lui là. Non. C'est pas maintenant. Là, les serflex là. Oh. Vas-y, si détraqué, tu bouges. De toute beauté. Tiens, mais foutez-lui les serflex là. Attachez-le, il peut faire des dégâts, vous avez pas vu la violence? Il y a plus de coupables que d'innocents ici, j'ai l'impression. Alors, moi je vais donc je vais rebondir. Donc, du coup, vous avez parlé sur Discord, ça j'en ai la preuve. Oui, avant-hier. Et plusieurs soirs? Non, c'est impossible. Plusieurs soirs? Pas du tout. J'ai les preuves. Mon Discord, il date de là, de la Radio Love.
te chie dessus. je veux de l'honnêteté. Bah, je suis honnête. D'accord. Le reste, c'est sur Snap. Est-ce que vous appelez sur Snap fréquemment? Très fréquemment. Oh là là. Attachez-le vite, je continue abuser pas. Abuser la connexion, comment ils ont répondu très fréquemment en même temps? Pour vous donner une idée des choses, c'est 2 à 3 fois par jour. Oh là, et il y a un regard, il y a une... Attendez, attachez-le. Après, on peut pas combattre l'amour. Attachez-le, s'il vous plaît. Ou le sexe, je sais pas. Wallah, ta gueule. Est-ce que je peux avoir une question, s'il vous plaît? Oui. Il est pas attaché, faites gaffe. Oui, non, mais... Ne vous inquiétez pas, je suis devant. Est-ce que c'est... de l'amour, il y a des sentiments, ou c'est purement sexuel? Et j'insiste sur sexuel. Je te laisse répondre, Nina. Il n'y a absolument rien de sexuel, c'est que de l'amour. Oh. C'est comme ça devant tout le monde. J'ai jamais vu un Coca Zéro aussi sucré. Bah, je sais pas, y a rien sur... Et je pense à l'autre mongolien qui essayait de la gérer alors que c'était Madiane. Regardez-le. Y a rien sur nos têtes qui vous dit qu'on est assorti? La mèche blanche. Ah oui, la mèche, ouais, ridicule. Ouais, des grosses salopes, des grosses putes. Voilà, vous faites même pas la prière, donc vous faites ça. Voilà, viens, Emile, viens, on va sortir, voilà. Non. Alors, excuse-moi, mais j'ai salé le mari de Ben-Aïcha tout à l'heure. Non, placez-vous. En plus, en cœur ouvert, me dis, il n'y a rien qui va se passer avec ma John. On va niquer ta mère, quoi. Stop. Ouais, s'il vous plaît, pas de venir à la chaîne là-bas. Il lui jette un objet devant son mec qui peut te casser la gueule, je te rappelle. Il s'est tué Mema. C'est le mec à qui? C'est le mec à qui? Anaïs? C'est le mec à Mila. Non, Anaïs, c'est le mec juste à coup d'un fois. Hein? C'est le mec à Nina. Mais il a pas le mec à Nina. Alors, l'amour a pas d'âge. Attends, mon marteau est où, mon marteau, là? Il me l'a envoyé dans la gueule. Donnez-moi mon marteau. C'est bien. Heureusement que c'est un marteau. Allez, chargez. Ben c'est sûr que c'est le mec à Nina. Donnez-moi le marteau, s'il vous plaît, je veux du silence. Parce que là je veux. Moi, je veux aller droit au but. Toi, je veux aller droit au but. Tu savais. Droit au but. Tu savais qu'il était amoureux et fou amoureux. Tu savais. Mais déjà, Anaïs. Tu savais qu'il était fou amoureux de toi. Fume-le, je t'autorise. Maintenant, j'ai une question. Et j'ai. Est-ce qu'il. Ça va me. Attends, je vais poser ça là-bas. Attends qu'il fume la clope. Attends qu'il démarre la clope. Il est au bord de l'explosion. Est-ce qu'il... Et c'est radioactif, cette merde. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Coup Didi. Ouais. Qui attend? Il sentir bien, lui. Qui attend? Coup qui Didi. Attend d'être libéré pour aller parler à des meufs. Oui. Sur son téléphone. Il n'en peut plus, là. Il n'en peut plus. Il a chié ça. Il n'en peut plus. Non. J'aimerais savoir quelque chose. Vraiment. Vraiment. Est-ce qu'il y a... Est-ce que Nina, tu as dit non la dernière fois parce qu'il y a peut-être un début de quelque chose avec Madiane? Non. Madiane, est-ce qu'il y a... Ou parce qu'il y a déjà quelque chose avec Madiane. Est-ce qu'il y a ambiguïté avec Nina, oui ou non? Est-ce qu'on peut parler de début quand on est en plein dedans? C'est ça la question. Oh putain. Pas mon pote JP. Donc là... En fait, aucun respect. Donc aucun là... Respect. Donc voilà, là, aucun respect. Ce que tu es en train de dire, sérieusement, c'est qu'il y a, on va dire, ouais, c'est bien. Un début, une semi-relation. Soit je casse, soit c'est moi qui me casse. S'il te plaît. Voilà, sérieux. S'il te plaît. Vous allez derrière les barreaux. Derrière les barreaux, vous allez finir. Est-ce qu'il y a une semi... Est-ce qu'il y a une semi-relation entre vous? Oui. Il y a une complicité dedans avec ce sourire, etc. Je vois que vous appelez sur... Oui ou non? Mais on peut pas s'appeler en fait. Est-ce que un de nous deux doit quelque chose à quelqu'un ici en fait? Oui ou non? Par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Non, moi j'aimerais savoir. Tu as vu
les aveux de JP quand il a j'ai aussi vu qu'elle lui a dit non en live. Mais on s'appelait avant qu'il nous fasse des aveux. Aïe 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 aïe. Il fait chaud ici, hein. Ouais, il fait chaud, c'est sexuel. Non, chef, réquisitionnez le téléphone, chef. C'est ma mère. C'est ta mère. Ok. Même, même c'est ta tante. Donc maintenant, il y a cette conflit. Il aimerait savoir, est-ce que. En fait, une merde. C'est toi qui a pété? Non, ah. C'est... Ok. Ah, c'est Madison. Elle est en train de se chier dessus. Madison. Madison, mais non. Non, t'inquiète, Madison, on est en train de terminer quelque chose. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que on peut définitivement tourner la page entre JP et Nina? Est-ce que vous pouvez donc du coup assumer qu'il y a, voilà, on va dire qu'il y a quelque chose entre vous, il y a quelque chose, voilà, vous parlez, on veut pas rentrer de fou dans la relation, on veut pas. Moi, j'aimerais justement un bisou. Le bisou, 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 alors, le bisou, le si, bisou, si, alors écoutez-moi bien, si, si, si y a bisou, si y a bisou, ah, j'éjacule, c'est pas de vrai. Oh. Elle a aimé ça. Je crois qu'elle a un petit creux. Elle est très contente. Donc non, sérieusement, je pense que pour qu'il puisse tourner la page définitivement, je pense qu'il a besoin de voir ce bisou. On peut demander déjà à Madjan, pour lui c'est quoi la relation avec JP qu'il a? Ah non, 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 je veux qu'on en vienne directement au concret, parce que là depuis tout à l'heure on parle. Bah déjà faut savoir, déjà dans un premier temps, JP ça a été mon maître de stage. Déjà. Replace-toi bien, s'il te plaît. Tu es chez ta mère ou quoi? Regarde-les. Tu regardes. De base, j'ai pas compris. Regarde-les dans les yeux quand il va l'embrasser. J'ai pas compris comment un stagiaire pouvait te mettre de stage à la base des bases. D'accord. Oui, déjà. En dehors de ça, passons. Je pense que t'as besoin de preuves, JP, pour pouvoir tourner la page. Et pourquoi est-ce qu'on a demandé l'appart à ton oncle? Bah, il y a des vidéos qui ont été tournées. Ouf. J'ouvrais un mime, c'est ça? J'avais misé là-dessus. Attention. Oh, sors pas le téléphone. Il va te l'envoyer dans la gueule. Non. Oh, monsieur Pormanov, je ne souhaite pas parler du genre de. C'est des vidéos, voilà, qui ont été tournées. Un jour, peut-être qu'elles verront le jour. On verra bien. Ok. Mais voilà, moi, je pense que JP, tu devrais tourner la page. Je pense que tu devrais aussi lui dire merci, parce que dans le chat, hein, qui dit ça, parce qu'il t'a présenté énormément. C'est vrai. C'est vrai. Merci beaucoup pour toutes ces présentations. Je suis désolé. C'est vrai qu'il y en a plusieurs. Je pensais que tu savais. D'accord. Est-ce que tu as eu les clés en main? Est-ce que tu es rentré dans l'appartement de JP? Écoutez, le propriétaire ne m'a pas répondu. Je suis peut-être passé par un balcon. Il est passé par chez ma grand-mère. Oh putain. Ouais, par le balcon, comment? Bah, par l'effraction. Effraction. Effraction. Tu veux me porter plainte? Là, on s'écarte du sujet. On s'écarte du sujet, on parle de menuiserie là. Non. Attendez, il y a eu effraction plus pénétration? Ça fait beaucoup. Dans l'appartement. Ça fait beaucoup. Maintenant, j'aimerais savoir. Moi, je veux une mise au point. Non, vas-y, les gars, silence. Nous, on tourne tout autour du pot. Même lui, il a besoin de savoir. Faut qu'il tourne la page. Il est fou amoureux. Est-ce que, s'il vous plaît, je sens cette complicité? On peut pas. Il y a tout le monde qui le sait. Il y a tout le monde qui le sait. Et moi, j'en ai marre d'être témoin de tout ce qui se passe. Oui, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Moi, j'étais pas au courant. Oui, on n'était pas au courant, mais au final. Là, c'est évident. Ça semble évident. Donc maintenant, un petit bisou pour prouver à tout le monde. Même sur le front, histoire de montrer le respect. Quel respect? C'est pour toi. Le respect de quoi? C'est pour que tu vois. Le respect de quoi? Que faut que tu tournes la page, frérot. Tu peux pas être. Bah, les couilles, il est plus enculé, ils n'existent pas. Ok, d'accord. Monsieur! Bisous sur le front. Bah, toi, tu m'appelles plus. Toi, tu me réponds plus. Même pas un bonjour. Je te répondais pas de même base. Même pas un bonjour. Je t'appelle pas de base. Aïe. Allez, tu veux qu'on sorte les screens? Qu'on sorte les screens ou tu pleures et tu me dis personne veut de moi dans ma vie. Toi, tu pleures pas, tu fais la grosse. Calme-le. C'est un signe de respect, bisous sur le front. Allez, aucun signe de respect. Attends, il a pas vu. Je m'en bats les couilles. Bah, c'est pas le premier qui me fait, hein. Normal. Ça fait beaucoup pour un seul soir. Mais c'est un bisou sur le front, y'a rien de. Ouais, c'est bien.
Voilà. C'est bien. Et j'aurai un compte à rendre avec Olivier aussi. Il a pas donné les clés. Il a pas donné les clés, là. Il les a pas donné. Il n'est pas complice, Olivier, là-dessus. Ah ouais. Ça se voit pas, mais je suis mort. Ouais, j'ai fait l'alarme, alors. Ça se voit peut-être pas, mais là, je ne respecte pas, même dans mon logement, bande de putain, quoi, vous êtes. Aucun respect que vous avez. Aucun respect. Là, ça finit. Non, non, ça finit. Viens avec moi. Voilà, s'il te plaît, mon frère. Monsieur Pomanov. JP, on va sortir. On va faire rentrer nous. On finit d'abord. L'amour est plus fort que tout, monsieur Pomanov. C'est bientôt fini, JP. Moi, j'aimerais que tu dises un mot à. Niquer vos mots. C'est ça le mot ? Niquer vos mots. D'accord. Maintenant, Koudou, j'aimerais que tu viennes, s'il te plaît. Les deux à côté ? Ouais. Mais Non, viens, mettez-vous à côté. Non, là-bas. Ce coca est tellement sucré. Viens, n'aie pas peur. Coca pas peur. Zéro. N'aie pas peur. Voilà. Donc, tu vois ce qui se passe en face de toi. C'est ce que t'as essayé de faire. En fait, toi, t'as tout perdu, pour rien. Arrête de faire le suceur. Arrête de faire le suceur de quoi ? Il a essayé de te baiser dans ton lit. Je m'en prends pas les. Il y a tout le monde qui essaie de me baiser ici. Non, pas moi. Non, je suis pas moi. Regarde. Si j'avais voulu te baiser. J'aurais pas fait tout ça, ok? Donc maintenant je veux que tu le regardes dans les yeux et que tu lui dises oui, je voulais baiser la femme que t'aimes. Pas du tout. Je voulais pas la. Oui. Oh, mais c'est ça. T'as seulement un truc avec des capotes, mais tu as rien à faire. Voilà, il y a les screens. Il y a les screens. Alors, j'ai la vidéo. Mais quand le vlog. Moi j'aimerais que Madiane les regarde les deux dans les yeux et leur dire oui. Je vais baiser la femme que vous aimez. Mais bonne quête ta mère la rentée. Vas-y. Non. Oui, ou je suis en couple avec la. En couple avec tout le monde. Les gars, je vous annonce. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Officiellement, oui, je suis en couple avec les femmes, la femme que vous avez aimée. Mais je m'en bats les couilles. Tu peux être en couple même avec un chien ou une chienne. Non. Tu m'en bats les couilles. Non, c'est pas pour moi. C'est interdit par la loi. C'est interdit par la loi. Donc maintenant, je veux que tu le regardes dans les yeux et que tu me dises oui, j'ai essayé. Ah oh, silence. Tu le regardes dans les yeux, face à face, et tu le regardes et j'aimerais que tu lui dises oui, j'ai essayé de te voler ta meuf, de te voler la meuf que t'aimes. De l'honnêteté. Porte tes couilles. De l'honnêteté, frère. N'oublie pas ce que tu m'as dit hier. Hein. J'ai tout enregistré. De l'honnêteté. J'ai tout sur écoute. Mm. Quand tu m'as dit quand on faudra lui dire les choses en face, je porterai mes couilles et je lui dirai en face. Moi, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Je fais écouter. Voilà. T'as enregistré tout ce qui s'est passé au restaurant et tout. Il y a des moments intéressants ? Bah, il y a des moments où il me dit que Madison, elle est trop ennuyante et qu'elle a aucune conversation et qu'il s'en. Waouh ! Madison qui reprend une balle perdue. Non, je peux m'exprimer sur ça. Ah, oui. Attends, je peux finir juste ? Oui. Qu'il se sent trop bien avec moi et qu'avec elle, il s'ennuie. Et que le jour où il devra dire à JP qu'on est ensemble, lui il s'en bat les couilles parce qu'il s'en bat les couilles de ce qu'il pense JP. Ah mais je peux. Donc, ouais, tu t'es imaginé en couple avec elle. Attends, donc, attends, mon coco. Vas-y, Koudou. Sur ce que je t'avais dit sur. Madison. Sur Madison. Je t'ai dit que. Elle était pas avenante. Ouais, elle était pas avenante. Elle s'ouvrait pas à lui en gros. Voilà. Et que du coup, ça. Elle est ouverte. Moi, je la trouve très ouverte. Et qu'elle est pas drôle. Elle est super gentille, elle est super gentille, elle est ouverte, elle parle. Mais elle est pas. Elle les moustille pas quoi. Mais elle est toujours là, Madison ? Oui, elle est toujours là. Oui, je suis là encore. Non, parce que vu. T'en fais pas, Madison. Comme je t'avais dit. Non, mais parle à Madison. Les jaloux vont maigrir. Parce que c'est elle qui est dans le mal là. C'est de elle qu'on parle quoi. Mais vas-y. Oui, mais. Sur ce que je t'avais dit. Et dis-toi, ma mère, elle est sur le live. Waouh, la haoula, la quoi, le billet. Ah, j'en ai vu des dingueries. Un jour, je raconterai tout ça. Dans 20 ans, à des gens, on me croira pas. J'ai été l'avocat du procès du siècle. J'aurais dû rater mon avion. Je peux me foutre une balle dans la tête. Wow. J'en ai lui là. Attends, je te la recharge. Non, attention, y'a pas le. Non, c'est bon, mais quoi non, non, les tympans. Mais quoi, y'a rien, y'a pas de balle. Ok, donc, t'as dit que si tu venais à te mettre en couple avec Nina, tu le dirais en face. Non, mais attends, et t'aurais pas peur déjà, de. Il m'a demandé ce déjà, que moi je ferais. Putain, déjà, ce que. Je vais, vas-y, exprime-toi, cherche tes mots, moi je vais chercher une vidéo. Perdu. Courage, mec. Attends, le temps qu'il cherche ses mots, je vais vous faire écouter une petite vidéo. On est d'accord. On est d'accord pour dire ça, Koudou. Tu t'attends ? Voilà. Parce que s'il n'y aurait pas eu d'embrouille avec Akira, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Il aurait été avec Akira. S'il n'y avait pas d'embrouille avec Emily ? Il aurait été avec Emily. S'il n'y avait pas d'embrouille avec Nina ?
Il serait parti. Non. Mais moi, je suis casé. Casé, posé. Posé. Et tu penses qu'il a une chance avec Nina? Non. Aucune? Non. Sur vu que... C'est un pourcentage de 100%, tu es de... Ou une échelle de 1 à 10. De 1 à 10? Ouais. 0,5. On laisse un petit pourcentage. Mais à ton avis, c'est quoi? Pourquoi il n'arrive pas à trouver Nana? Explique-nous, tout à l'heure tu m'as expliqué. Dis-moi les raisons. Maman, il était bien gluant. Bien jaune. Ouais. Explique-nous les raisons. Pourquoi il trouve pas de Nana? Parce que, comme j'avais déjà dit, il se trouve une femme dans ses âges, c'est-à-dire, facile 35, 36 ans, bon, un peu plus, même la quarantaine. Et des femmes de 40 ans qui sont bêtes, quoi. Attends, tac, il y a ça. Je vais faire écouter plusieurs trucs, comment c'est fait, les écoutes et tout. Ok, c'est quoi ça? Oui, t'inquiète pas, je te dirai quand je serai au resto et dans quel restaurant que je serai. T'inquiète, et toi tu feras comme si que tu ne me connaissais pas. Et on voit. Alors, Sonia devait vous rejoindre dans le resto où vous étiez. D'accord. Et il avait prévu un plan. C'était attends, ça, attends, le plan. Attends, si, écoutez. Donc Sonia devait vous rejoindre le restaurant où tu étais avec... Donc si ça se passait mal et que ça finissait pas au Airbnb, il avait déjà préparé, il a fait carrément venir au restaurant. Bah c'était moi, donc avec un mec. Oui, t'inquiète pas, je te dirai quand je serai au resto et dans quel restaurant que je serai. T'inquiète, et toi tu feras comme si que tu ne connaissais pas. Donc voilà, déjà on a ça, on a quoi d'autre? On a quoi d'autre? J'ai reçu tellement de choses. Tac tac tac. C'est quoi ça? J'aime bien ce que je te fais rire. Je te fais rigoler. Femme qui rit. Ça c'est ce qu'il m'a envoyé à moi. Eh, énerve-toi pas, c'est bon, je rigole, je te taquine. Il a dit femme qui rit à moitié dans son lit. J'ai tous les messages. Après il m'a dit que moi il pouvait pas me fister parce que j'étais pas assez grosse. C'est moi qui t'appelle juste 5 minutes. Si tu n'es pas occupé et si t'as rien à faire, sorcière. De toute façon, dans le vlog, il y aura tout. Il y aura tout vraiment. Vous allez péter un câble. Il y aura vraiment du début à la fin. Moi, j'ai des images où il regarde clairement la caméra. C'est qui va baiser Nina? Et il fait des têtes comme ça. JP, tocard, truc, Madison, second plan. Ah, c'est ça qui faisait derrière la tête à JP? Exactement. Ah, quand JP il était à côté de lui. Donc maintenant, j'aimerais qu'on coupe ce live. J'aimerais que tu regardes JP et que tu lui dises en face que tu as essayé de baiser la meuf qu'il aime. Et on coupera là-dessus. Écoute-moi, sois un homme. Que tu as essayé de la. Et t'as dit mot pour mot. Mot pour mot. Que tu voulais te mettre avec elle. Tu m'as même dit hier, qui sait, peut-être que je vais dormir avec. Il est perdu. Il est bloqué. Il a dit tellement de trucs. Là, il est. Et attends, quand je vais. Inavouable. Allez, écoute donc. Quand je vais récupérer, je vais mettre 2-3 trucs sur le canal ce soir. Écoute-moi, sois un homme, tu te tiens droit face à lui. Face à lui. Sois un homme. Toi, tiens-toi droit aussi, tu t'apprêtes à encaisser quelque chose. Oui, ça décoiffe. Allez, allez. Dis-lui droit dans les yeux. Sois un homme, me regarde pas. Putain, me regarde pas. Attention qu'il ne met plus de patate. Ouais. On en est là. Que j'ai essayé de gérer. Non. Fais une phrase complète, s'il te plaît. Vers sujet complément. C'est osé, tout ça, c'est oui. Commence par je t'avoue. Vas-y. Je t'avoue que j'avais essayé de sortir avec Nina. Avec qui t'as pas essayé de sortir? Avec Barbara, t'as essayé, ça, c'est un échec. Emily, t'as essayé, c'est un échec. Mais toi aussi. Nina, mais toi essayé. Que des CSC. Mais 3 CSC à la seconde, c'est... Ah là là. Mais bon. Vas-y, hein. Comme quoi l'amour... Tout dans ton dos, que des insultes, du mépris envers toi. Entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas, j'ai envie de dire. Il n'y a qu'une convention de stage. Waouh. Quelque chose à lui dire, JP? T'es en face de lui, tout à l'heure, rappelle-toi quand il était au restaurant avec elle, les coups de danse dans la voiture.
Rappelle-toi de cette haine. Tu m'as fait une promesse. C'est quelque chose à lui dire. Ouais, pourquoi je lui envoie pas le marteau dans la gueule à lui alors qu'à moi tu me l'envoies. Il a peur, il a peur. C'est plus simple de frapper les femmes. Wow. Un appartement, Chalon. Laisse-le là où il va en venir. 3 jours pour y aller. Waouh. Sinon quoi? Sinon c'est moi qui me remettra plus les pieds ici. Voilà, menace. Non, sérieux. Tu peux le regarder dans les yeux et lui dire bah tu ne mettras plus un pied ici juste pour voir sa réaction. S'il te plaît, vraiment pour qu'il redescende un peu. Vas-y. Regarde-le dans les yeux, tu lui dis bah ok, pas de soucis, tu ne remettras plus un pied ici. Oui, pour ce qu'il veut. Sois un homme. Tiens-toi droit, regarde-le dans les yeux. Je te trouve beaucoup plus courageux. Bombe le torse. Quand il est pas là. Fais l'homme quand il est pas là. Bombe le torse. Bombe le torse. Fais pareil. Me regarde pas. Bombe le torse. Hashtag virer personne. Allez. Hashtag virer personne. Koudou, pourquoi tu dis des choses à tout le monde? Mais t'assumes pas en face de la personne. Alors tu dis je vais assumer. Que moi je préfère, c'est de virer Madiane. Oui. Ça reste toujours une solution un peu plus, je trouve, adéquate. Il partira avec l'un d'entre eux. Ou bah montagne. Déjà, détachez Koudou s'il vous plaît. Voilà. Donc voilà, vous êtes maintenant. J'aimerais que vous. Serrez-vous la main, allez, serrez-vous la main. Non ? Pas de serrage de main ? Est-ce que toi tu veux lui serrer la main ? Est-ce que tu souhaites t'excuser ? Il veut serrer ses mains, lui. Waouh ! Elles ont beaucoup la parole, les femmes, dans ce tribunal. Tu peux l'insulter. Je peux t'insulter aussi, JP. Je peux te mettre deux gifles aussi. Remettre, pardon. Merci, chérie. D'ailleurs, je me casse parce qu'il est là. C'est bon. Non, c'est la main. J'ai la main. Tu l'excuses pas? Non. Ils sont servis, c'est ça. Ok. Bon, avec Alain, Madjan, et c'est bon. Là, il faut que je la sentence. Il y a bel et bien évidemment. Déjà, Madison, on est d'accord que Madison... toi avec Koudou, ça va se passer comment là? Bah, je sais pas. Ah, donc il y a quand même. Est-ce qu'il y a quand même. Bah, encore bien senti, quand même. Est-ce qu'il y a un monde où il te récupère, oui ou non? Chut. Je sais pas. Va falloir qu'il fasse des efforts, quoi. Peut-être. T'as de la chance, toi. Peut-être pas. Alors, est-ce qu'il serait pas peut-être le grand gagnant de cette soirée et lui le grand perdant finalement? Bah, les couilles d'être le perdant, c'est bon. Ça finit, s'il te plaît. Ok. Mais en tout cas, il m'a pas respecté dans cette soirée. Ouais. Il va devoir se rattraper. Non, mais au moins, vu la réponse que tu viens de donner, tout ce que tu as dit dans la soirée, ça me prouve que t'es faite pour lui, qu'il est fait pour toi. Vous avez vraiment la même façon de penser. Apparemment, non, de ce que je viens d'entendre. Si, à ce que je viens d'entendre. Si. Comment ça? De ce que je viens d'entendre de la soirée avec. Ah, mais il disait ça pour impressionner. Il disait ça pour plaire. Ok. Bon, okay. Les gars, c'est pas ouais, attends. Dans le sapin. Attends. Avant, présente quand même tes excuses. Ouais. JP. Ah. Moi, je suis fait un coup dans le dos là. Présente tes excuses. Ah, Madison, à Madison coup déjà. Ouais, Madison en premier, je pense. Madison, je suis vraiment désolé. Et je vais me rattraper. Un McDo, c'est réglé. Mais menu maxi. Elle a dit oui. Elle a pété. Un maxi. Non, j'ai pas pété. Grande frite. Et un Happy Meal pour la petite. Je suis vraiment désolé de t'avoir fait souffrir. Nino, il faisait la même avec son escorte. Je suis vraiment un idiot. Elle voulait apparaître dans les clips et il disait putain, à mais McDo. Tu laisses même pas parler. Non, c'est Nino, il avait la même technique. À McDo, c'est réglé. Oui, c'est ça. Vas-y, je parle même pas alors. Bon, vas-y, prends-toi, Koudou, allez. Je suis vraiment désolé. Et j'espère que tu me pardonneras. Peut-être. C'est bien, c'est beau. JP, tu veux dire un mot? Je ferai les efforts possibles pour que tu me pardonnes. Oh, ah. J'ai limite envie de... Ah, c'est mignon. C'est mignon. Attendez quand je vais balancer tous les screens. Non, si. Parce qu'on a oublié des meufs encore. Non, c'est pas grave. L'amour est plus fort que tout. T'as intérêt à bien te rattraper. Et JP? Ici, tu regardes dans les yeux, là. T'as pas d'excuses. Ouais, excuse-toi, ouais. Ah bien, imagine l'origine. Mais regarde. Mais il a les yeux de caméléon, ça va. Il regarde partout. Ouais, je sais, ça va. Regarde-le, vas-y. Regarde-le, lui. Dans les yeux. Et tu fais pareil.
Tu tout ça à la gueule. Hein. Je tombe bien. Je suis désolé de t'avoir. Trahi. D'avoir trahi. De piquer. Les femmes que t'aimes. D'essayer, du moins. D'essayer de piquer les femmes que t'aimes. Tout en me foutant de ta gueule. Mais la prochaine fois, je leur prépare. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Bien. Petite poignée de main, petite poignée de main. T'acceptes ? Petite poignée de main. Voilà. C'est ça qu'on aime. Déception. C'est ça qu'on aime. C'est bien, c'est bien. Du coup, coupable, attends, coupable. Quoi, quoi, c'est pas fini. De quoi, il y a quoi, pas fini. C'est pas fini. Non, 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 faut que tu les regardes et tu dis oui, je vous souhaite du bonheur. De longue vie. Longue vie. Écoute, c'est le seul moyen. C'est le seul moyen pour que tu fermes la page. Que tu fermes le livre et que tu t'ouvres un nouveau livre. Bon, toi. La commune demande, alors c'est la commune, ouais. Qu'apparemment qu'on prenne des gants, etc. et qu'on mette une route à Madiane. Pourquoi? Je sais pas, apparemment Madjan. Alors si vous le faites à Madjan, vous le faites à Koudou. Pourquoi? Parce qu'il a fait pareil. Elle défend son mec et ça j'adore. Tu vois cette complicité. Une vraie lionne. T'imagines t'aurais pu avoir une lionne. Attention, attention, non, qu'est-ce que tu veux. Et à la place t'as rien du tout. C'est bon, faut pas enculer. Ok. Tu peux leur souhaiter une longue vie et bonheur. Je suis heureux pour mon frère. Ton frère, mais il y a 10 minutes essaie de lui piquer. C'est pas grave, il partage. C'est pas grave, et lui t'as pas compris, il n'y a pas de sentiment, il n'y a que du cul. Ce n'est qu'un coup loupé, il n'en dit. Ben regarde, il y a Madison, voilà. Allez, termine. De toute façon, il me l'avait dit. Il me l'avait dit, il a réussi son coup, il me l'avait dit. Il m'a dit si c'est pas Nina, bah je garde Madison sous le coude. Et en plus, elle m'a peut-être marqué. Comment on dit ? C'est dur à la mettre sous le coude. Attends. T'es pas je suis pas à jouer. Ouais. C'est une roue, c'est une roue de secours. Elle a un cœur. Ouais, mais quand même, je suis pas une pute. Évidemment, personne. Je suis d'accord. Oui, d'accord. Est-ce que c'est une pute? Attention. Attention. Hein. Je dis pas que Nina s'en est une aussi. Hein. On est d'accord. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Mais Madjan, oui. Pas trop. C'est la commune. Bah... Non, mais moi je trouve que ce soit humble. Moi, je retransmets les messages de la commune. Mais parce que vous avez une mauvaise vision des choses. Moi, en tant que juge. Je juge et je juge. Oui, je juge. Oui. Pardon, ça vous fait rire ? Je juge. Et moi, je vais juger cet acte. Ce mec-là est meilleur que Iniesta Prime. Oui, qui peut dire le contraire ? Il fait des passes des deux. De Bruyne. De Bruyne tout rouge. Frérot, le poteau, il ramène un nombre incalculable de meufs au sein du local. Et c'est toujours Madjan qui finit avec ses meufs. Est-ce que on a, est-ce on peut que dire ça... que c'est Haaland? Oui, un bon passeur et un bon finisseur. C'est là. Voilà. Du coup, t'as souhaité le bonheur. Je veux que tu leur souhaites également. Non. Même pas un peu, JP. Non, t'existes pas. J'existe pas. Ah, je suis en face de toi. C'est... Ce n'est plus ton stagiaire. Qu'est-ce que tu lui souhaites, Amadian? Et à Nina. Que dalle. Tu vas nettoyer après ça. Ouais. Et comment on va faire pour la troisième année d'alternance, JP? Tu me reprends plus? Non. Moi, je te prends. Tu me prends? Nickel. Moi, je veux qu'il reste. Il est efficace. Il est efficace parce qu'il est efficace. Là où vous échouez, lui, il réussit. Et oui. Bon, bah écoute, et tu filmes le filtre. Là, c'est au filtre, frérot. Ça y est. Un bon filtre, ça remet les idées en place. Bon, allez. Allez, c'est bon aussi. Cette poignée de main était. Bon, allez, moi, les gars, voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est que dans ce local, il se passe beaucoup de choses. Mmh. Il se passe beaucoup de choses dans le dos. Et on sera toujours là pour faire la lumière. Et exactement, on sera toujours là pour faire la lumière. La sentence, bien évidemment, la sentence, c'est que Koudou, dès que, comment elle s'appelle, Madison, elle sera là, tu devras te mettre un genou par terre, tel un gentleman. Excusez-moi. T'as bientôt fini. Tu devras te mettre un genou par terre, tu devras faire tes meilleures excuses et tu devras la galoche en live. Oh, le premier bisou. De Madison et de Koudou sera capturé par nos caméras. Incroyable. Incroyable. On va applaudir ça. Si ça, c'est pas le divertissement. Oui. Des couples qui se brisent et d'autres qui se construisent. Et pour JP, ta sentence, c'est d'accepter le couple de Nina et de Madjan. Voilà. Bon, c'est fini. C'est fini. Oui, c'est fini. J'ai fini avec mes sentences, tu peux y aller. Et la commu, ils ont la commu. Et la commu. La commu, bonne soirée à vous. Mais c'est pas celle-là, la caméra. C'est ça là, faut venir là.
Mon travail, moi, il est terminé. Donc, là, merci beaucoup, merci. Bravo à tous. D'avoir merci tous géré ta mère. Deux secondes. Mais incroyable. Les bons petits fils de pute. Il y avait beaucoup de rennes. Incroyable. Merci à tous. Maintenant, merci à vous, merci, j'ai une question à lui poser. Est-ce que tu m'en veux? Non. Et moi? T'es sûr? Tu sais que c'est une leçon. Tu m'en veux? Mais là, il serait prêt à retomber amoureux de toi. Là, oh, je peux lui refaire un prank, arrête, là, tout de suite. Envoie-lui un message pour moi. Non, je vais te poser une question. C'est une leçon. Tu m'as toujours parlé d'amour. Tu cherchais l'amour. T'avais besoin d'amour. T'as l'amour. Elle est là, cette femme. Elle s'appelle Madison. Pourquoi tu vas voir ailleurs? Parce que je suis con. Voilà. Arrête d'écouter ta bite. Écoute un peu ton cœur. T'as dit quoi, Madison? J'ai dit parce que je suis moche, peut-être. Non, pas du tout. Pas du tout. Elle te plaît. Attendez, il est beau, lui, peut-être? Excusez-moi, mais... Non, mais elle te plaît, Madison? Oui. Bah voilà, c'est bon, voilà, tout est réglé. C'est voilà. Tout qui compte. Pourtant, il a été voir ailleurs, mais voilà. Il a été voir ailleurs parce qu'il pense avec sa bite. Mais non. L'homme qui jute. Que, plus que, je sais que c'était un... Comment on appelle ça? Un prank. Bah, c'est pas l'heure de manger, tu... J'ai faim à mort, les gars. Il s'est fait couiller, quoi. Ok, bon Madison, nous c'est l'heure de manger, on te laisse. Okay, bon appétit, bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Salut. Mon soldat, va falloir que tu trouves une solution. Appelle-la tout de suite, envoie-lui un vocal. Je sais pas, il m'a bloqué. Ah, eh bah t'es niqué.